Yap yap tout le monde, on m'a demandé hier de faire la ruée des boss, donc on est parti pour la faire. Donc je ne l'ai pas fait en live parce que je voulais vous la faire en vidéo vu que c'était une ruée des boss un peu troll. Donc j'ai vite fait vu les bornes, donc je sais à quoi m'attendre normalement. Et c'est vraiment un truc incroyable, vraiment c'est assez marrant et j'ai bien hâte d'aller me faire kiffer dessus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc cette ruée des boss hein, qui est faite normalement je pense pour le 1er avril, même si elle est sortie un peu après, que des Deadpool, qui est le personnage emblématique du troll dans le monde Marvel. Donc avec une première borne attaque imbloquable, donc qui paraît tout simple, hein, Deadpool n'est pas imbloquable, donc on peut se dire bon bah il suffit de le frapper tranquillement et ça ira. Mais il y a une petite borne cachée. Comme vous allez le voir, donc tout simplement, vous ne pourrez pas enchaîner plus de deux coups avec dégâts sur lui. Dès que vous mettrez un premier coup qui mettra des dégâts, enfin le deuxième coup que vous lui mettrez ne fera rien. Donc là, vous voyez, tout ce qu'il faut, c'est Dext. Mais sinon, si vous y allez, le premier coup que vous mettrez va lui mettre des dégâts et vous voyez, ceux d'après ne lui en mettent pas. Donc soit vous faites full Dext, vous voyez. Soit vous enchaînez, vous lui mettez un coup et vous... Enfin voilà, c'est un peu long, mais ça se fait. Puis voilà, sinon il est imbloquable, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez attendre qu'il utilise ses spé. En vrai, c'est pas compliqué, vous montez ses spé. Dès qu'il use ses spé, bah, vous attendez. Vous le contre-attaquez. Et c'est bon. Sinon, voilà, full dext, et ça le fait. Là, je lui ai mis un coup, il suffit de reculer. Sinon, on dext. On dext. Et voilà. Donc c'est pas compliqué mais c'est marrant, c'est comme c'est pas une borne qui était précisée, on pouvait ne pas s'y attendre et galérer, mais non ça se fait. Puis c'est marrant en fait, c'est surtout dans ce sens-là que moi ça me fait kiffer, c'est que c'est une récompense gratuite, même si c'est qu'un cristal à la fin et un titre, le cristal qui donne alors je pense qui donne de mémoire tous les persos du jeu avec une chance accrue d'avoir certains persos. On va bien voir qui on aura. Donc celui-là, c'est simple, le premier qui met un coup a gagné. Donc évidemment, si vous prenez un coup, vous avez perdu. Donc vous reculez, vous reculez, vous reculez, je crois qu'il y a un irrésistible au début. Je sais plus ce que c'est. Ah non, c'est une mort. Ouais, voilà, on est tous les deux étourdis. Donc le premier qui met un coup a gagné. Hop, suffit de frapper dans la garde, pas compliqué. En tout cas, ça me fait bien marrer là les bornes. Vous allez voir, en plus, il y en aura d'autres qui seront incroyables après. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc voilà, vous avez des petits trucs et astuces pour le faire tranquillement sans bégayer. Parce que voilà, en plus sur ce deuxième perso, si vous vous prenez un coup, vous êtes mort par KO direct. Hein. C'est vraiment la mort subite comme on a eu avec le Thanos donc de juin de l'année dernière ou juillet, je sais plus. Donc voilà. Donc sur ce coup-là, il est immunisé à quasiment tout. Je dis bien quasiment tout. Donc ça va être simple. C'est une tellement grosse armure qu'il va falloir y aller dans la longueur. On va bien voir. Je sais pas si. Voilà, donc il est immunisé étourdissement, mais je sais pas si. Ouais, voilà. Vous voyez qu'il est immunisé Corvus. C'est bien ce que je me disais. Il est immunisé Corvus et Spider-Man. Donc vous voyez que je peux faire n'importe quoi avec Corvus, il ne se passera rien. Je peux tenir comme ça jusqu'à la fin du combat, il ne se passera rien. C'est ce que je voulais vérifier parce qu'il y avait marqué immunisé. Ah, je vais relire la borne. De toute façon, il me semblait avoir bien compris ce que c'était, que Corvus ne mettait aucun dégât. Mais voilà, donc c'est fait, je vais pas te perdre plus de temps, on va la lire ensemble. Mais il est immunisé en fait à beaucoup de bornes, et il est aussi immunisé à certains persos, et je voulais vérifier si ma théorie était bonne, si le fait d'être immunisé en fait ne mettait aucun dégât. Donc vous allez voir ça, Deadpool échange en régénération contre un buff d'irrésistible lorsqu'il est immobile, indestructible face aux dégâts d'un super pouvoir 3, immunisé à la réduction de compétences. Immunisé à la montée de température, poison, saignement, étourdissement, coup critique, brise armure. Spider-Man, Corvus, donc voilà ce que je vous disais. Réduit les dégâts physiques de 90%, réduit les dégâts de chaleur, froid, mystique, cosmique, tech, arcanique, violet, rouge, blanc, bleu, érable de 90%. Voilà, donc grosso modo, c'est vraiment une borne troll où il est immunisé à tout et c'est un peu dans la longueur. Mais bon, on va y aller tranquillement. Avec Domino, du coup, je vais rien pouvoir faire d'exceptionnel. Mais de toute façon, voilà, on va y aller à coup de 80, c'est pas très grave. On va bien finir par se le faire. De toute façon, il frappe pas très fort, donc ça va le faire.
Tout ce qu'il faut de toute façon, c'est se rappeler que les SP3 ne comptent pas. Donc n'y allez pas avec des SP3, mais avec des SP1 ou des SP2. Donc moi je vais y aller avec le SP2, parce qu'il met plus de coups que le SP1. Enfin, un coup près en vrai. Mais bon. À savoir aussi qu'ils n'ont pas de SP3, comme vous allez voir. Hop. Donc ça se fait, c'est juste long pour celui-là. Allez, le SP1. On va faire les SP2. Oh, le SP1 là, il a mis un 381. Ah oui, parce que oui, ok. C'est réduit de 90% les dégâts, je crois. Mais du coup, plus vous mettez normalement de dégâts, mieux c'est. Oh, il y a eu un échec critique. Ah, ça me surprend. Normalement, il est immunisé aux réductions de compétences, donc il n'aurait pas dû ne pas annuler une compétence. Bah écoutez, Domino, du coup, faut y aller avec Domino, mais j'avais pas fait un échec critique du combat, et là ça a tout défoncé. Bon, bah tant mieux. Donc, le bon vieux coup de théâtre. Le défenseur croit personnellement que glisser le doigt sur l'écran, ça le fait pas, parce que certaines entrées dans nos contrôles sont pas configurées. Le défenseur croit que notre tutoriel, tu sais, comme dans l'acte 1 et l'armée des boss, partout tu vois, et le défenseur croit qu'il devrait nos entrées de données dans les contrôles. Là, ça devrait aider à faire les sweeps, oui, aider à faire les esquives et aussi faire des blocages et les maîtrises, et comme ça on pourrait construire notre avenir pour nos enfants. Bref, c'est de l'inversion de contrôle, donc je sais pas à quel niveau ça inverse les contrôles, je sais pas si c'est juste les dextes ou. Bon, on va voir, mais bon, si c'est comme pour la. Si c'est comme pour la. Comment elle s'appelle? Ouais, bah c'est ça. C'est comme pour la 1, 2, 3, elle va me revenir. What? Ah, mais c'est pas exactement ça en fait. Ok, donc c'est pas comme face à Emma Frost. C'est pas qu'une inversion de contrôle basique. Vous avez vu que le premier inversion de contrôle, j'avais vraiment inversion de contrôle. J'ai combattu, enfin j'ai bien combattu parce que c'était vraiment la version de contrôle qu'on connaît. La deuxième, quand j'ai essayé de dext, enfin de dash avant, ça faisait un coup puissant. Donc faudrait revoir. En fait, ça inverse tous les contrôles. C'est pas juste dash avant qui devient un dash arrière. C'est dash avant qui devient autre chose. Quand un timing termine. En fait, les contrôles s'échangent. Il doit y avoir une rotation, je sais pas laquelle, mais d'accord. Ça m'a fait bizarre. Ok, donc là, cette borne, faut frapper pendant le blocage. Donc, si vous frappez pas pendant le blocage, vous mettrez pas de dégâts. C'est pareil pour Deadpool. Et vous mettez des dégâts supplémentaires. Donc, on va voir ça. Donc, là, vous voyez, je frappe dans le blocage, il se passe rien. Lui, il me frappe. Bon, évidemment, ça fait quelque chose, mais c'est parce que c'est lui. Mais quand on frappe dans le blocage, ça met des dégâts supplémentaires. Je sais pas si là les saignements peuvent se mettre, je crois pas. Je crois que ça fait 0 dégâts. Bon, de toute façon, j'en mets pas. Allez, bloc. Bon, c'est pas grave, on va prendre des dégâts, mais bon, si on pouvait aller un peu plus vite. Ah bah oui, je suis bête, le SP1. Le SP1 met plus de dégâts, il aurait fallu le faire plus tôt. Ok, et donc pour le dernier. Le dernier, je crois que c'est buff en folie. Tous les buffs du jeu sont mis et c'est un bordel pas possible. Ouais, c'est ça, ok. C'est bien ça. Donc là, ça va être un bordel monstre et j'aurais tellement kiffé avoir cette borne de temps en temps. Franchement, c'est une quête, vous voyez, qui est originale et qui donne un cristal, certes, 4 étoiles, c'est pas un truc du turfu, mais ça fait tellement plaisir. Regardez, là, on s'échange nos vies, tous les bornes du jeu sont activées en même temps. On s'échange nos vies, enfin, il y a plein de trucs en même temps, c'est un truc de fou. Allez, là, il est étourdi. Qui va mourir en premier? Putain, le bordel, parce que du coup, je régène, il régène. Ah, ça me fait triper, sérieux, putain. Ah, c'est une quête extra, franchement. Il y en a beaucoup qui se sont plaints un peu de cette quête parce qu'elle était bidon, il n'y avait pas de grosse récompense. Mais c'est une quête troll pour le 1er avril, même si elle n'est pas sortie le 1er avril, je sais. Et franchement, ça me fait triper, ça me fait bien rire.
Et je trouve ça kiffant, quoi. En plus, il y a un petit titre. Bon, certes, il est pas doré ou quoi que ce soit, mais tout ce que j'ai gagné, c'est ce titre à la noix. Franchement, moi, franchement, il me fait kiffer. J'ai battu Deadpool 6 fois et tout ce que j'ai gagné. Ok. Et le petit cristal, donc cristal du Poulsen d'avril. Allez, on va ouvrir le petit cristal et on va conclure là-dessus. Vraiment une quête qui fait plaisir, peut-être un peu trop rapide. On peut la refaire, hein, c'est pas un souci. Mais j'aurais bien aimé, je sais pas, avoir. En fait, c'est en même temps, j'y vais avec Domino, donc forcément, je mets toutes les chances de mon côté. Mais j'aurais bien aimé avoir un peu plus de bornes, un peu plus de trucs loufoques. Peut-être qu'on en aura à l'avenir, mais c'est vrai que pour le 1er avril, c'était le moment. Donc, bah écoutez, franchement, moi, je suis pas mécontent de ça. C'est un petit titre en plus, même si le titre, je m'en fous un petit peu. Mais c'est surtout, en fait, un bon petit moment. Parce que bah, la première borne, j'en ai vu beaucoup galérer, alors que finalement elle se comprend assez simplement. Il suffit de voir comment ça fonctionne, mais ça se comprend quand même assez simplement. Donc là, je vais m'arrêter. Et bah écoutez, sur Yellow Jacket, ok. Donc bah, c'est cool. Enfin cool, je m'en foutais un peu, hein, mais ça met ce petit personnage au max, donc c'est cool. Donc voilà, ça fait des éclats 5 en plus pour l'opening de dans 2 semaines avec Léo, 1 semaine et demie maintenant, donc c'est cool. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, hein. Ça fait plaisir de faire des petites vidéos comme ça. Si vraiment Kabam pouvait ressortir plus de contenu dans ce style-là, moi franchement ça me fera toujours de plus en plus kiffer, donc c'est cool. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!